la journée qui commence, on va y aller. On va aller prendre la batteuse. Et puis il faut qu'on aille moissonner. Et donc du coup, voilà, tac, on monte dans la batteuse. Tac, tac, on rentre dedans, on recule bien dans les tas. Là, on va chercher la batteuse. Voilà, on a pris la batteuse et on va aller direction notre nouvelle parcelle, première campagne qu'elle fait, la batteuse. Donc, ça fait plaisir. Tac. On met. Et... c'est parti. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui les gars, on moissonne et on achète une forêt pour totalement la raser et en faire une prairie. J'espère que vous êtes chauds. C'est parti! Bon, donc du coup les gars, voilà, j'ai tourné au début le petit... ça va être une minute un peu de roleplay à chaque début vidéo. Voilà, et tout le pré d'herbe, il est tout été mis en soja, fertilisé à 100% mauvaises herbes, 0%. Il y a juste besoin de chaud, voilà. Et il faut qu'on s'achète aujourd'hui une nouvelle parcelle. Alors, la nouvelle parcelle, c'est elle. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire du bois. Tac, on va acheter cette parcelle pour 347 000 euros. Il faut faire un emprunt. On n'en a pas. Et puis, voilà. Donc, 347 000 euros, c'est bon. C'est bon, voilà. Et donc du coup, on va aller prendre le télescope. Et bon, la benne, on va remettre les ridelles pour mettre le bois dedans. Et puis aujourd'hui on fera du bois principalement. Et je sais pas quoi ce qu'on fait. Moi ça, je pense que je moissonne. Mais il est con le bruit. Pas. Je referai tous mes oublis plus tard. Là on s'occupe de la benne. Ok. Là. Alors, on va atteler la benne. Ce qui est bien, c'est que la ferme, elle s'agrandit, elle marche bien. Voilà, c'est l'essentiel. Hein. Et puis, on peut toujours, dans chaque vidéo, faire un petit achat ou deux. Et donc, du coup, bien avancer. On va prendre juste... ah oui mince, les gars, j'essaye d'atteler ça et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon, c'est bon, du coup j'ai réussi à atteler ça. Voilà, c'est cette parcelle en question. Donc du coup, bah je pense qu'on va pouvoir commencer à battre le premier arbre. Alors, ouais, c'est bon, j'ai une tronçonneuse. Tac, on va couper l'arbre. Et puis, en vrai, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres à couper. Mince. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais il y en a quand même une sacrée grandeur. Tac,
ça va être chiant, chiant. Je vais peut-être réussir à parler un jour. Je finirai hors vidéo en tout, en plus. Pour que la semaine prochaine, on puisse s'acheter les faucheuses pour qu'on puisse faucher. Hein. On va juste monter dans le télescopique. Tac. Là, on va. On va le prendre. Non, j'y arrive pas. Les gars, petit accéléré, je coupe 2-3 arbres, je remplis la benne et puis voilà. Les gars, regardez, la moissonneuse, hein, elle a déjà fait une bonne partie. En vrai, il y a un peu de rendement. Alors, on va retourner au champ, nous. Les gars, en vrai, on va abattre tous les arbres pour se rendre compte de la quantité d'arbres qu'il y a. Là. Voilà. Il y en a vraiment une belle quantité. Hein. Je ne sais même pas si j'aurai fini pour la semaine prochaine. Tac. Ça, c'est bon. Là, on coupe. Et les gars, on va faire... J'ai toujours pas fini d'éviter l'arbre, mais on va charger... Oula. C'est bon, il n'y a plus d'arbre. Je vais faire en accélérer tous les arbres que j'ai coupés et après, on se retrouve tout à l'heure. Bon, donc du coup, les gars, je finirai de vraiment tout abattre les arbres, ce champ que pour vous en vidéo, ça va être vraiment énervant. On va juste poser ça. Tac. On va voir les moutons et les poules. Ah, ok, donc les moutons, ils n'ont plus d'eau. Ok, tac. On va monter dans le tracteur. On va vider l'eau pour les moutons. Voilà. D'ailleurs, les gars, les moutons, il y en a 58, mais j'en ai racheté. Oula. What? Attendez. Ah oui, ok. J'avais pas vu que les moutons, ils avaient. Ok, bah. Les gars, prochaine vidéo, énorme vente de laine. Hein. Ah ouais, c'est vrai que 58 moutons, ça a produit tellement, parce que j'ai avancé 3-4 nuits, donc pour que tout mûrisse et... Ouais. Il est débile l'ouvrier en fait là. Attendez. Ah bah la benne, il nous faut une benne. On va prendre ce tracteur. Tac, il faut qu'on aille récupérer la benne. Et voilà. Tac. On a du colza, on va le vider. Et tac. C'est pareil, dites-moi si vous voulez qu'on fasse de la décoration sur cette partie, que je décore un peu et machin. Dites-moi et puis un jour je pourrais faire un épisode décoration où on met des arbres et des petits trucs sympas. Alors on va prendre ça, la batteuse.
Les gars, le prochain épisode, on est milliardaires. Hein. Bon, ça se trouve, on s'achètera d'autres parcelles. J'aimerais bien qu'on s'achète aussi, qu'on se fasse un deuxième corps de ferme. Alors, je ne sais pas où. J'aimerais pas tout en haut de la map, là, parce que après, ça ferait trop long, mais peut-être dans ces champs-là, ou qu'on ira sans pour faire des énormes parcelles. Voilà. Et les gars, aussi, j'activerai les commentaires de cette vidéo et vous me direz qu'est-ce qu'il faut qu'on ait à la fin de la série. C'est-à-dire, peut-être, vous me dites peut-être qu'on ait tous les animaux du jeu ou peut-être qu'on ait, je sais pas, peut-être que si on s'achète ce tracteur ou toutes les parcelles de la map, dites-moi en commentaire. Et puis le meilleur commentaire je le garderai, celui qui sera le plus liké, du coup je le garderai pour et ça sera ça l'objectif de la fin de la série. Donc on est tout de suite parti pour un accéléré. Avec le massé, voilà. D'ailleurs, on va aller commencer à charger les palettes de laine parce qu'il y a un peu beaucoup de palettes de laine. Et puis, comme j'ai pas de plateau autolone ni rien, bah je vais mettre un petit bouton. C'est parti. Voilà, donc on va ah mince, bah c'est pas grave, ça sera ressemblant soja. Ça sera, les gars, ah mince, je vais faire ça comme ça. Je finirai de summer vidéo et c'était juste pour vous montrer un peu de contenu, un peu plus de contenu à part de la moisson et du bois. Donc on va tourner, c'est reparti, voilà. En tout cas les gars, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut.